Bonjour à vous, amis Sagittaires et ascendant Sagittaire. Bienvenue dans cette guidance sentimentale pour la semaine du 31 janvier au 6 décembre, j'allais dire 6 février, parce que bien sûr, ce n'est pas des énergies pour l'année, mais pour une semaine. Sachant que, comme vous savez, ça peut se passer durant cette semaine, ça peut se passer plus tard. Et ce n'est pas pour rien que j'ai ressenti ce côté, j'ai failli vous dire 6 décembre, parce que. Et d'ailleurs, justement, ce que j'allais vous dire avant de commencer le tirage, que j'avais ressenti que vous attendez que ça bouge, vous attendez qu'une personne en précisément prenne une décision, agisse. Parce que peut-être qu'il vous a dit, cette personne vous a dit, pour bientôt, je prendrai la décision bientôt, et ne t'inquiète pas, bientôt on sera ensemble, ou je ne sais quoi, et vous. Vous avez l'impression que ce bientôt, si vous deviez le traduire, le convertir au niveau temporel, pour vous c'était une éternité. Et que pour vous ce bientôt, c'est dans votre mental, vous voulez pas que ce bientôt se traduise par dans 10 ans. Parce que ce que je ressens, c'est oui, mais pas dans 10 ans quand même. Vous voyez? Parce que bientôt. Ça peut être dans une semaine, dans un mois, dans un an, 5 ans, dans 10 ans, et que vous ne voulez pas que ce bientôt, ça ce soit, eh bien, dans une éternité. Allez, commençons le tirage. Pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, on voit que votre relation est protégée. Ensuite, c'est bien parce que là, les cartes tombent rapidement. On nous parle de déménagement. 12, 13, vous voyez, les cartes se suivent. Message envoyé. Vous voyez, quand je dis message envoyé, j'ai l'impression d'être. Vous voyez, les voix robotiques, là. Mais un peu comme les assistants vocaux. Là. Ou l'horloge parlante. Vous voyez, encore une fois, on nous parle de temps. Au quatrième top, il sera, puis par rapport à l'heure. Et ensuite, on nous parle de rencontre. Alors peut-être que vous avez l'impression que votre autre, eh bien, agit comme un robot, agit comme si que on lui a dit, vous avez l'impression. Que pour qui n'est pas libre de ses mouvements, vous voyez, parce que un peu comme une voix robotique, tout ça, tout ce qui est robot, où ils sont programmés pour justement faire telle ou telle chose, et que cette personne n'est pas totalement libre de ses actions. Peut-être que pour le moment, en effet, cette personne n'est pas libre. N'est pas totalement libéré d'une relation et que, bon là vous voyez, on nous parle de succès et que pour l'instant il ne peut pas agir comme il veut. Vous voyez, c'est possible. Que pour le moment il a encore des contraintes, peut-être professionnelles, mais que, alors là on nous parle de l'été, mais que quoi qu'il arrive, voilà, il peut pas comme ça déménager du jour au lendemain, ou en tout cas il pouvait pas déménager du jour au lendemain. C'est bien, voilà, je parle bien du passé. Et on a l'hiver. Alors voilà, je parle du passé parce que c'est possible que là, cette personne va pouvoir enfin déménager, va pouvoir enfin. Comment dire, se libérer. Moi, ça me parle de se libérer d'une relation toxique. Et bon, forcément, d'ici 3 mois, vous allez vous voir, mais là, ce ne sera pas dans 3 mois, en tout cas, pas pour tout le monde, parce que, comme vous savez, et les énergies. Ne peuvent pas parler à tous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, mais que là, durant 3 mois, vous allez être amené à vous voir régulièrement, c'est ce que je ressens. Mais je sais pas, il y a cette notion qu'il faudra faire attention parce que
Cette personne, ça va être je veux te voir, je veux pas te voir, je veux te voir, je veux pas te voir. Il y aura un côté instable parce que, vous voyez, il y a le moi par rapport à l'hiver et l'été, il y a le côté chaud et froid. Bon, forcément, on est en hiver et peut-être que cette personne, vous avez fait sa connaissance durant l'été. Peut-être 2020, 2019, 2018, 2017, hein, peu importe. Mais, et que là, ça va se concrétiser. Ça peut se concrétiser hein, d'ici la fin de l'hiver, hein, c'est possible également, ou début du printemps. Hein. Mais que, en attendant, vous allez vous voir régulièrement. Et pour moi, vous aurez un choix à faire. Parce que cette personne va vous proposer. Alors, ça peut être rapidement, ça peut être, je dis rapidement, ça. Ça peut être trop rapide pour vous parce que peut-être qu'au bout de 3 mois, cette personne va vous proposer d'emménager ensemble. Vous voyez? Et voilà, d'emménager avec lui. Et que, on va dire, vous serez prêt à, vous serez pris au dépourvu d'un sens parce que même si ça fait longtemps que vous attendez de le voir, de le rencontrer, de passer du temps avec cette personne ou de revoir, hein, parce que peut-être que vous connaissez déjà cette personne. Et que là, d'un seul coup, et ça, je crois que j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, que ce soit pour autre signe, ou dans les guidances sentimentales intemporelles que je fais, que les choses ont mis du temps, voire quelques, justement, des mois, des années, avant que ça se passe, et d'un seul coup, les choses vont s'accélérer. Et que là, parce que forcément, d'ici 3 mois, ça va passer vite, hein, parce que. Quand on n'est pas dans l'attente, hein, quand on est dans le lâcher-prise, finalement, les jours passent vite. Et si vous voulez savoir comment lâcher prise, etc., il y a par exemple la vidéo, vous pouvez voir la chaîne La Messagère des anges et du bien-être, qui a fait une vidéo justement sur les 5 clés du lâcher-prise. Et que quand on est dans le lâcher-prise, dans le. Je pense à moi, etc. Je fais en sorte d'être heureuse ou heureux chaque jour. Je fais en sorte de, voilà, je fais que chaque jour je sois heureux. Voilà, je fais en sorte d'être épanoui au quotidien. Eh bien, les jours passent et à un moment donné, lorsque la chose que vous attendiez depuis longtemps arrive ou revient, eh bien, vous serez étonné parce que vous serez étonné du fait que ben, déjà, même si à la base ça fait des années peut-être ou des mois que vous attendez justement cette rencontre, et que là ça va déjà se passer, vous allez dire, ah oui, mais en même temps, ça fait je sais pas, peut-être 3 ans, 5 ans, vous voyez que vous attendez ça, ou peut-être plus ça, hein, 10 ans, 15 ans maintenant, et que là, ça se réalise déjà, et que vous allez prendre conscience justement que le fait d'être dans, d'avoir été dans le lâcher prise, ça vous a permis en effet de, d'un sens, d'accélérer le temps. Comme si que d'un sens, ça vous a permis, c'est une image, d'aller dans le futur, pas de vous projeter dans le futur. Parce que jusqu'à maintenant, pendant un moment où vous êtes projeté dans l'avenir avec une personne en oubliant le moment présent, mais du coup, c'est comme si que vous aviez voyagé, voyez, comme ça, dans le temps, parce qu'on n'aurait pas vu justement les jours, les semaines passer. Voilà pour vous, amis Sagittaires et ascendant Sagittaire. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Prenez bien soin de vous, de ceux que vous aimez, et je vous dis à bientôt.